Bonsoir chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir pour moi là avec nous et aujourd'hui moi porter une pile belle nouvelle pour nous. Non, moi c'est comme Cynthia et comme d'habitude vous connaissez qu'on branché sous Télé Diaspora pour qu'on soit capable prendre toute bonne nouvelle haïtienne de ce qui a passé dans la communauté. Et mais aujourd'hui j'aimerais dire nous moi grand pile belle nouvelle pour nous. Moi qui avec moi deux monde qui très important. Yo important dans le sens que nous connaissons toujours à promouvoir la culture haïtienne, non? Alors yo important dans le sens que yo même yo représenter Haïti tout côté yo passé. Alors sans plus attendre, sans que je fasse nous, comment dire, tu veux que je fasse nous tourner pour attendre. Eh bien, je vais le présenter. J'ai avec moi Mademoiselle Saroja Berthe, Miss Haïti, et aussi avec moi Monsieur Benz Antoine, qui est un acteur haïtien. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Ça va bien, merci. Eh bien, je me suis présenté à l'homme dédié que c'est Miss Haïti. Tu as présenté Haïti dans une grande compétition qui est Miss Universe. Correct, j'ai été Miss Haïti en 2010 et j'ai représenté Haïti. Et je continue à représenter Haïti, même si je n'ai plus la couronne, non? Puisque tout ce que je le fais avec Haïti. J'ai mes nouvelles collections, mes nouveaux projets ont toujours Haïti là-dedans. Et c'est ma façon dans laquelle je peux dire que je suis haïtienne au monde. Mais voilà, Kenya, maintenant, nous allons passer over to Benz Antoine. J'en ai parlé, Benz Antoine, l'année dernière, il était avec nous dans Haïti Movie Award. Là, et tout le monde est vraiment connu le travail qu'il a fait. Il joue avec un pile bon acteur que nous connaissons sur le grand écran. Et bien, je dis, Benz vient dans l'écran, pas nous, là, qu'à nous. Benz, qui est-ce qu'il a dit nous aujourd'hui? C'est au map suivre, il a pris le développement. T'as espéré qu'à Nessa, t'as invité mon corps dans le Haitian Motion Picture Association Awards. Mon café, on a apparition là. Ok. Et bien, qu'on a la Sawaj, on fait nous connaître. Nous avons fait une petite cale de chaque nous-mêmes. Ça dit, je dis, nous d'accord avec nous? D'accord avec nous. Et bien, Sawaj, en plus que l'Isséon, mystère représenté à Haïti, l'Isséon, mystère, tout le monde connaît ça, c'est titre. Mais tout, il fait plus que là. Il n'y a pas juste été là, qu'on a une série de monde, il a fait une mise, et puis dat set, il y a un couronne, et puis dat set. Il y a juste bébel, fait bébel. Et bien, en tout cas, il parle là, il est au-delà de ça. Ça, il fait, il fait une fondation. Je ne parle pas de chance pour lui parler plus de fondation, mais sa fondation, elle est Sawaj for a Purpose. Fondation, elle est Sawaj for a Purpose. Je l'ai créée l'année dernière. Je travaille avec quelques orphelinats en Haïti. Mes projets, c'est pour me créer une maison pour enfants, côté ma baille de préparation technique professionnelle. Pour continuer, nous avons montré que c'est pour manger, c'est pour dormir, na baille éducation scolaire. Ce n'est pas tout le monde qui prend l'école. Moi, je veux baille opportunité pour y aller à l'école et aussi pour pour me capable bayo ko agriculture on pas connait mon montrer on bagaille pour le travail le 18 ans. C'est ça, c'est pour c'est raison pour laquelle j'ai fait le calendrier l'année dernière. J'ai fait le calendrier 2012 et on a pris toutes les photos en Haïti, Jacques Mel, Jérémy, de très belles photos parce qu'on a un très beau pays et il faut aussi le promouvoir. Et j'ai utilisé les fonds du calendrier pour la fondation. Alors avec le calendrier de l'année dernière, on a trouvé 60 000 $ et le but, c'est arriver à 300 000 $ pour pouvoir faire la construction. Maintenant, je suis en train de négocier le terrain en Haïti. Ça va être un peu au dehors de Port-au-Prince, mais près de la capitale. Ouais. Mais ce que tu parles là, c'est un édifice qui va contenir tous ces cours. C'est pas un seul édifice, ça va être un centre où je vais avoir trois édifices. Je vais avoir l'orphelinat, parce que je vais avoir un orphelinat pour 100 enfants. Je vais avoir une école pour 500 enfants et je vais avoir une école de préparation technique professionnelle. Ça va être pour mes enfants, mais je vais donner accès à d'autres orphelinats pour qu'ils amènent les étudiants. Ok. Et mais ça me dit nous, aujourd'hui, c'est gros nouvelles seulement. Regardez belle bagarre, n'attendez. Nous toujours connais. Oh ouais. Pas qu'à suspendre. Regardez. Pas qu'à suspendre. Nous gagnons orphelinat, mais qu'on y a la professionnelle technique. On sait, on parle toujours que Haïti, nous n'avons pas de grande éducation après la philo. Après la philo, ça s'arrête. Et puis comme si pas enfin dépenser plus l'argent, si mon chita. Il n'y a pas qu'à faire rien. Oui, ça n'est pas bon. Il y a besoin de travail, vous comprenez? Il y a besoin d'expérience, il y a besoin d'étudier, il y a besoin de garder la tête pour qu'il soit capable apporter quelque chose à la société. Et je suis bien contente du fait que tu aies mentionné l'agriculture parce que nous avons cette mentalité que après la philo, nos options sont limitées. C'est la médecine, c'est l'école, l'infirmerie, et puis comme si ça s'arrête. Il y a 1000 branches, plus de 1000 branches. Et Haïti, nous sommes reconnus comme un pays agricole. Alors, si nous n'utilisons plus d'agriculture, alors... Tu as raison. Alors, nous sommes... Merci, très bien, merci.
Je suis tellement contente de ce projet-là. Mais s'il y a d'autres gens qui aimeraient, parce qu'ici à Boston, nous savons que nos Haïtiens et Haïtiennes sont tellement patriotiques, ils aiment toujours aider. S'il y a des gens qui aimeraient aider comme si, pour contribuer à la fondation. Vous pouvez visiter notre page web www.sarojforapurpose.org ou sarojbertin.com. And they can also write us at info@sarojbertin.com. And information for the foundation or for my, or personally for me, you can write to info@sarojbertin.com. Okay. Et si nous avons besoin de plus d'informations après émission, mais tout au cours, nous capables toujours aller dans 617-541-2222. Et puis nous capables prendre ensemble pour nous voir toutes informations ça. Et puis vous pouvez toujours visiter un website non www.telediaspora.com pour nous capables de plus d'informations sur Saroj. Si nous t'aimons comme comment il écrit, c'est SAROJBERTIN. Alors nous mettons Google, il est tout partout. Pourquoi c'est tout partout? On belle haïtienne comme ça qui t'a pas côté dans partout partout. Qui a représenté Haïti. Connais même pas faut tirer sur Benz parce que le très cher beau Benz qui t'a fait battre qui t'a fait battre les cœurs l'année dernière. On connaît ça. Ma blague est causée en dehors aujourd'hui. Hein? Alors, Benz, est-ce que tu as un petit update de ça qui a réglé? Parce que je connais Hollywood ou Canada, ou comprends, on a fait film, on a promoté, on a travaillé en tant qu'acteur, mais tout, je connais ça, c'est pas, même si on ne pas dire, je connais, il private party. Il y a private party que je connais une fois avec. Est-ce que tu as un petit parler de ça? Bon, nous-mêmes, je dis à la nouvelle là pour nous parler pour un but très spécifique. Mon question pour vous. est-ce que notre tête, parce que le film n'est relé de the movie we're working on, il est Everybody Cheats. Right. Ok? Ça veut dire même qu'on est, est-ce qu'on même pense que everybody cheats? Ça, c'est une belle question. Wow. Wow. Moi, détourner la conversation, je vais le faire. Toujours. Et bien, juste pour mettre un petit contexte pour téléspectateurs et téléspectatrices, Saroj avec Antoine. En Boston, juste pour être capable pour un film, il y a film, mon film qu'on a, qui est Everybody Cheats. Et film ça, c'est nous connaissons très bien Widmark Belo, nous tous connaissons en Boston avec toute belle film, nous toujours météo. C'est Widmark Belo qui écrit et direct film ça, et c'est avec lui qui travaille pour le moment. Et titre film là, c'est Everybody Cheats. Tout le monde compte trop. Alors, on va répondre à la question. Pas dit rien, non. Well, moi pense que d'une manière ou d'une autre, oui. Oui. D'une manière ou d'une autre. Peut-être pas profondément dans le sens dit, mais d'une manière ou d'une autre, oui. Par exemple, les gens me disent, je fais diet. Les cheats de diet, là. Of course. Nous ne parlons pas de diet. Nous ne parlons pas de diet. Nous parlons de relation amoureuse. Exact. Garçon et fille. Does everybody cheat? Does everybody cheat? Est-ce que je me dis no comment? Ça, c'est le moment pour dire no comment. Vous avez un no comment, ça, toujours? Ou no comment, ça. Mais nous, sur tout le monde, avec mes films, là. It's a great job. I mean, Widmark, it's a great director. The script, it's the best I've ever read, you know? And it's really nice working with Benz also. Really nice you have been a great teacher for me because I'm learning, you know? He's a pro. I mean, really, for real. I really like working with him. He's a very nice guy. Working with all the team, being here in Boston, it's really nice. Okay. I feel very welcome in Boston with all the Haitian people. I feel home. So that's good. Parce que tout dit non ça et que Boston actuellement c'est lui-même qui c'est troisième largesse population haïtienne. Miami premier, New York deuxième et Boston troisième. Bon, et Montréal pas là-dedans? Non, c'est pas contre Montréal. États-Unis. Mais c'est le bagage, ça fait plaisir pour nous, haïtien qui a fait belle bagage, nous comprenons. Et je suis vraiment content que nous avons travaillé avec Winmark. Winmark a pris notre créativité. Oui. Pour pouvoir acquérir pour un monde bon, he made the film A Child's Dream. Yep. Juste trailer, film dans le regardé, ou bien chair de poule. Oui. Trailer a seulement regardé, ou fait comme ça. Oh my god, vous voulez voir film ça? Yeah.
You know, on comprend, vous avez senti son mari qui est powerful. Et pour moi, capable de toucher comme ça, juste à travers un petit réclame de quelques secondes, c'est un bagage qui est vraiment, vraiment bon. Ou pas chaud avec titre, là. Ou pas voulez voir Everybody Cheats. Ou pas pour être trailer, mais si vous voulez Everybody Cheats. Ou voulez voir ou pas voulez voir. Ça me connaît que tout haïtien a débarqué pour regarder ça. You know, nous-mêmes, haïtiens, comme nous, je connais tout le monde a débarqué pour regarder ça. Il ne faut pas oublier de dire que c'est Winmac. Qui réalisé, qui écrit, qui a produit. Right. The other two producers, we have Mr. Evenflow, right. Yes. Mademoiselle Nirva Ballant. Mm-hmm. They're excellent producers, doing a great job in Boston with this movie. Alors, nous vraiment excités pour travailler ensemble. Mbap Dimouni aussi, s'il y a une relation entre mademoiselle et moi, il faut. Ouh là là! No comment! Oh, my no comment is becoming famous! Well, so, we have to use it. Exactly. So, I would like to ask you, so how has it been like? I know you can't tell, say much, too much, but kisa no ka di about plot film now? Everybody cheats. The movie represents exactly what we live in real life. Okay. Okay, so I'm going to open your palm. On toujours connaît que everybody cheats, ça c'est pas un bail qui est nouveau pour moi. Mm-hmm. Un bail qu'on connaît. Right. Mais how they do it, you know, le pourquoi et comment. This is what's interesting et c'est pour ça que je connais que le film a fait un gros succès dans la communauté. Et non seulement ça, c'est pas nécessairement un film, comme on dit, un film haïtien. C'est okay. un film qui est en pile l'autre nation là-dedans. Right. Et le subject matter, c'est un sujet qui est universel. Universal. Dans le style de Think Like a Man. Okay, right. Which I'm trying to get these ladies to watch. Et vous voyez le film là, non? Même moi, trailer. Oh, trailer! And I have to tell you, je préfère Everybody Cheats. Uh-oh. Personally, je préfère Everybody Cheats. Même si Think Like a Man. I saw the trailer. I prefer Everybody Cheats. I know the story of Think Like a Man. It's a great story, a great movie. But Everybody Cheats is going to be way better. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. So everybody has to see it. Okay. Yeah. Well, moi suspecte que alors ou même tout qui t'a aimé connaît le pourquoi. Tout bas ça, le pourquoi, le comment, comment t'es dit Ben? Le pourquoi, le comment, raison qui cache derrière pour que ça everybody. Et tout le monde a cette identifié avec un bagage là. Right. Parce qu'il y a plusieurs situations. Ok. Comme l'a dit, il y a plusieurs types de personnes qui a cheat. Bon, moi pense que c'est pas tout le monde qui cheat. Oh, okay? Bon, I'm sorry, mais, I'm sorry. Je pense que peut-être 99% cheat, but I still have faith that there's a 1% that doesn't cheat. Okay? Okay? So that's my personal opinion, but we'll see the movie. We'll but see. I have a question for you. Do you think that in the movie, do you think I'm the cheater or do you think I'm a victim? Well, you can be both. I think they cheat on you and you cheated back. I like that. That answer is pretty clever. Okay, but Konya Sawaj, qu'est-ce qui next pour? Parce que nous connais on travaille sur film là. Oui, mais qui travaille sur film là? Moi, fait que là c'est en collection maquillage. Mm-hmm. It's named Sawaj by Mighty Makeup Company. You okay. can find it online on mightymakeupcompany.com or sawajbelton.com. Mm-hmm. Et le nom de mon rouge à lèvres, par exemple, it's I Love Haiti. Le nom de Shadow, it's Jacmel. Le nom de My Blush, it's Jeremy. And I do all that to continue promoting the country. Because when people see that it's named Jacmel, they want to investigate why. Right. And then they Google Jacmel and they see the beautiful things we have there. Then what happens? Maybe one day I should go visit. Exactly. And that maybe one day it's going to help Haiti to get his tourism back. And that's what I want. Because we have the greatest country in the world. We need to show it to the people. Exactly. Pour me dire que belle parole qu'a trouvé matin, oui, m'a dit amen. Well, me dire que t'as espéré que on l'est, m'a capable d'entrer dans n'importe store, par exemple CVS, et puis pour moi, vous jouez Sawaj. Section là. I love Haiti, Jacques Mel, j'aime bien. C'est pour me faire une collection plus grande, pour mettre tout Haïti là. Il faut voyer nous charger pile belle store pour nous des parfumeries, tout bail, ça va son, faut nous jouer une collection pour mon ami. Haïti représenter the makeup too. Exactly. Yes. Alors, you remember Benz. Oui. What's next for you? What's next for me? Bon, let me finish Everybody Cheats. Mm-hmm. I got to go back to Canada parce qu'on a une série qui me fait là-bas qui est le 19-2. C'est un show, c'est un cop show, like NYPD. Mm-hmm. Donc, après ça, je suis booké pour l'année. Donc, je suis occupé jusqu'au mois de décembre. Alors, si tu es booké, il n'y a plus de place pour moi dans ton agenda? Eh bien, ça dépend. Si tu We es can gen... talk about it. Si tu es gen... Well, et bien, en tout cas, connaissez toujours plaisir.
pour moi là pour toujours porter belle nouvelle ça pour nous et je dis nouvelle est pas belle seulement non yo look belle et yo belle oui et meaning non belle tout alors nous toujours à promouvoir haïtien tout côté de passé c'est travail de la diaspora et je dis nous te gagne avec nous demoiselle belle, madame, je vais vous donner toute petite honneur. Saoud Bertin, Miss Haïti, actrice et ambassadrice de bonne volonté. Whatever you like. Toute la donne, toute positive. Haïtienne. Haïtienne. Correct. Bleu et rouge, red bleu. Alors, merci. Merci beaucoup d'être merci venu. Merci à toi pour l'invitation. De rien. Et j'espère que tout le monde a apprécié ta présence. Et à toi aussi, cher monsieur Benz, merci. Et je pense que ce n'est pas la dernière fois qu'on vous verra ici. J'espère. Tu ne vas pas demander à Benz s'il m'emmène à Hollywood avec lui. Voilà, Benz, what's happening? This is what I'm here for. I'm here to take you to Hollywood. Oh, then we're going to Hollywood. We're going to Hollywood. We're going to Hollywood. Can I come? No comment. It's coming back against me. But anyway, on dit nous toutes merci, merci en pile parce que nous branchés. Si nous besoin de plus d'informations sur Benz, ou bien, vous comprenez, si vous voulez une photo dans la chambre, vous avez besoin de Benz. On va aller sur Benz Antoine. Benz, tu as dit tout à l'heure, tu as machine, Benz Antoine. Et puis, si nous, .com, benzantoine.com, puis Google, lit tout partout, tout côté. Tout côté lié. Ou bien, saodjberté.com pour la website fondation, saodjforapurpose.org. Alors, merci, merci, merci. Merci encore. Moi, et grand bisous. Ça a été un grand plaisir pour moi d'être là avec vous aujourd'hui. Et restez branchés pour le reste de la programmation de ce jour. Bye bye. Bonsoir chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir pour moi là avec nous et jeudi on m'a porté un pile belle nouvelle pour nous. Moi c'est comme Cynthia et comme d'habitude on est co-branché sous Télé Diaspora pour qu'on soit capable de prendre toute bonne nouvelle haïtienne de ce qui a passé dans la communauté. Mais jeudi j'aimerais dire nous on a un pile belle nouvelle pour nous. Moi qui avec moi deux monde qui très important. Yo important dans le sens que nous connaissons toujours à promouvoir la culture haïtienne non. Alors yo important dans le sens que yo même yo représenter Haïti tout côté yo passé. Alors sans plus attendre, sans que je me fasse pour attendre, eh bien, je vais présenter. J'ai avec moi Mademoiselle Saroj Berté, Miss Haïti, et aussi avec moi Monsieur Benz Antoine, qui est un acteur haïtien. Bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Ça va bien, merci. Eh bien, je me présente. L'homme me dit que c'est Miss Haïti. Tu es présenté oui. Haïti dans une grande compétition qui est Miss Universe. Correct, j'ai été Miss Haïti en 2010 et j'ai représenté Haïti. Et je continue à représenter Haïti, même si je n'ai plus la couronne, non? Puisque tout ce que je le fais avec Haïti. J'ai mes nouvelles collections, mes nouveaux projets ont toujours Haïti là-dedans. Et c'est ma façon dans laquelle je peux dire que je suis haïtienne au monde. Mais voilà, Kounia, maintenant, nous allons passer over to Benz Antoine. J'en m'étais parlé, Benz Antoine, l'année dernière, il était avec nous dans Haïti Movie Award. Là, et tout le monde est vraiment connu le travail qu'il a fait. Il joue avec un pile bon goût acteur que nous connaissons sur le grand écran. Et mais je dis, Benz vient dans l'écran, pas nous, là, qu'à nous. Benz, qu'est-ce que tu as dit aujourd'hui? Hein? C'est au map suivre, il vient dans le développement. J'espère que Anissa a invité mon compte dans le Haitian Motion Picture Association Awards. Je vais faire une autre apparition là. Ok. Et bien, nous avons la Saoj. Nous avons un petit cal de chaque nous-mêmes. Ça me dit aujourd'hui. Nous sommes d'accord avec vous? D'accord avec vous. Eh bien, Saoj, en plus que l'Isséon mystère représenté Haïti, l'Isséon Miss, tout le monde connaît ça, c'est titre, mais tout, il fait plus que là. Il pense que je serais là pour une série de monde, il fait une Miss, et puis that's it, il y a un couronne, et puis that's it. Il y a juste bébé, il fait bébé. Et bien, en tout cas, il parle là, il est au-delà de ça. Ça, il fait, il font fondation. Je ne parle pas de chance pour lui parler plus de fondation, mais sa fondation, elle est Saoj for a Purpose. Fondation Relais Saoj for a Purpose, moi créé l'année dernière. Je travaille avec
quelques orphelinats en Haïti. Mm-hmm. Mes projets, moi, c'est pour me créer une maison pour enfants, côté ma baie de coopération technique professionnelle. Pour qu'on dise, nous, nous montrer que c'est pour manger, c'est pour dormir, la baie éducation scolaire, c'est pas tout là qui prend l'école. Moi, je veux baie opportunité pour y aller à l'école et aussi pour me capable baie pour agriculture, pas qu'on est montrer un bagage pour travailler le 18 ans. C'est ça, c'est la raison pour laquelle j'ai fait le calendrier l'année dernière. J'ai fait le calendrier 2012 et on a pris toutes les photos en Haïti, à Jacques Mel, Jérémy, de très belles photos, puisqu'on a un très beau pays et il faut aussi le promouvoir. Et j'ai utilisé les fonds du calendrier pour la fondation. Alors, avec le calendrier de l'année dernière, on a trouvé 60 000 $ et le but, c'est arriver à 300 000 $ pour pouvoir faire la construction. Maintenant, je suis en train de négocier le terrain en Haïti. Ça va être un peu au dehors de Port-au-Prince, mais près de la capitale. Ouais. Mais ce que tu parles là, c'est un édifice qui va contenir tous ces pas cours-là. Un seul édifice, ça va être un centre où je vais avoir trois édifices. Je vais avoir l'orphelinat, puisque je vais avoir un orphelinat pour 100 enfants. Je vais avoir une école pour 500 enfants et je vais avoir une école de préparation technique professionnelle. Ça va être pour mes enfants, mais je vais donner accès à d'autres orphelinats pour qu'ils emmènent les étudiants. Ok, et mais ça me te dit nous aujourd'hui c'est gros nouvelles seulement. Regardez belle bagarre n'attendez nous toujours qu'on est oh ouais pas qu'à suspendre oui regardez pas qu'à suspendre nous qui orphelinat mais qu'on y a la professionnelle technique on sait on parle toujours que Haïti nous n'avons pas de grande éducation après la philo ça s'arrête et puis comme si pas en fin de penser plus l'argent si mon enchita il n'y a pas qu'à faire rien. Oui, ça n'est pas bon. Il y a besoin de travail, vous comprenez? Il y a besoin d'expérience, il y a besoin d'étudier, il y a besoin de garder dans la tête pour qu'il soit capable d'apporter quelque chose à la société. Et je suis bien contente du fait que tu aies mentionné l'agriculture. Parce que nous avons cette mentalité qu'après la philo, nos options sont limitées. C'est la médecine, c'est l'école, l'infirmerie, et puis comme si ça s'arrête. Il y a 1000 branches. Plus de 1000 branches. Et Haïti, nous sommes reconnus comme un pays agricole. Oh. Alors, si nous n'avons plus d'agriculture, alors... Tu as raison. Alors, nous sommes... Merci, très bien, merci.